Bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Remanim. Remartis au rapport. Et je joue à un putain de jeu. Je joue au meilleur jeu du monde. Synthro. Eh ouais, Synthro. Meilleur jeu du monde. Enfin. Seul été, c'était. Mais en finale, il est pourri, mais il est pourri. Qu'est-ce qu'il est nul ce jeu. Alors, bon, bah, heureusement, je l'ai eu gratuit. Hein, c'était sur le PS Plus, je sais plus quand. Je sais plus quand que c'était sur le PS Plus. Il me semble que c'était sur septembre dernier, je sais plus. Bref, sans trop. La licence. Et au final, il n'en est rien. On reste sur un jeu, un GTA-like classique. On se fait chier. En fait, il n'y a rien de nouveau. Tout est nul. Enfin, pas tout, mais quelques trucs à sauver. Mais je ne vois pas du tout. On va se faire une petite balade. Pour être honnête envers vous, Synthro c'était bien avant. La série Synthro, ça commence aux générations consoles précédentes, quoi. C'est-à-dire, ça comme Synthro, le tout premier Synthro, premier du nom, ça a été de base, a été exclusivité Xbox 360. Qui était censé concurrencer les GTA et c'était au début c'était pour un GTA like c'était prometteur quoi c'était prometteur c'était on prenait les bases d'un GTA classique et, mais en faisant une autre histoire une nouvelle histoire une nouvelle ville enfin des personnages en fait, une histoire de gang, quoi, tout simplement. Faire une histoire de gang, conquête de territoire, etc. Un petit peu ce qui se faisait très bien dans les GTA, GTA San Andreas, par exemple, où vous faites partie d'un gang qui s'appelle les Synthro, et vous devez conquérir la ville. Voilà. En affrontant plusieurs gangs, plusieurs bandes. Voilà. Un truc vraiment ultra classique des GTA like quoi en gros hein, et c'était prometteur hein. À une époque les Synthro c'était prometteur c'était même complètement à contre-courant et c'était même les suites de Synthro qui est sorti par la suite au lieu d'être dans un GTA classique ils ont voulu se lancer dans un côté plus disjoncté, plus libre, encore plus. Oh là. En fait, à partir du 2 et du. Et surtout à partir de Synthro 3, qui est sorti sur PS3 et Xbox 360 à l'époque. C'était les suites de Synthro qui ont changé complètement la donne, c'est-à-dire en gros, non seulement on avait une liberté d'action totale, mais il y avait aussi le côté complètement délire, complètement what the fuck en fait des Synthro en fait. Parce que déjà niveau personnalisation, bah, on peut personnaliser à fond son personnage, bon, niveau personnalisation, on a fait beaucoup aussi. Niveau personnalisation de vous créez votre propre personnage ce qui n'était pas le cas dans les GTA bien sûr et non ils se sont vraiment orientés dans le côté côté fourre-tout côté bordélique total quoi ça n'avait aucun sens en fait c'était Synthro des super pouvoirs c'était pas que des bagnoles et des motos c'était aussi
Surtout le Synthro 4 en fait. Surtout le Synthro 4 qui était là où on devenait un super-héros. Mais surtout, moi je dis c'est à partir de Synthro 3 que comment dire 3 que ça a commencé à partir en couille en fait. Mais c'est le côté complètement politiquement incorrect de Synthro que j'ai. Ce que j'aimais dans Synthro, c'était vraiment son côté politiquement incorrect, quoi. Son côté complètement débile, qui n'avait aucun sens. Genre, t'avais des armes qui faisaient gonfler les têtes des personnages, des ennemis. Tu pouvais trimballer un poil, tu pouvais choisir ton sexe, tu pouvais jouer autant une femme qu'un homme, à poil, en poil, en sous-vêtements, en string, enfin voilà, c'était vraiment tout le côté n'importe nawak qui faisait le charme des Synthro d'avant. Surtout le 3, le Synthro 3 et le Synthro 4, qui commençaient à partir du Synthro 4 à commencer à être un peu moins qualitatif, mais le délire était toujours présent, le côté what the fuck était toujours présent. Seulement la nouveauté c'était les super pouvoirs. On pouvait avoir des super pouvoirs comme un super héros. On pouvait marcher sur les murs, on pouvait voler. Parce que dans Synthro 4, il y avait le délire des extraterrestres qui envahissaient la ville, enfin bref. Non, ça allait vraiment très 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 loin. Surtout le Synthro 4 et le Synthro 3 et le Synthro 4, les deux quoi. Les deux derniers, on va dire, avant ce train Synthro de merde là, ils ont voulu, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est renouveler la licence. Renouveler la licence en refaisant comme du GTA classique quoi. Mais tout le côté délire, le côté tout permis, le côté voilà, vraiment à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque, tout le côté politiquement incorrect a disparu quoi. Alors évidemment, bon, il y a toujours cette costume customisation du personnage toujours complet, hein. Personnalisation du personnage pareil, c'est une personnalisation assez complète, mais c'est moins permissif en fait. Il y a moins de choix, on sent qu'il y a moins de choix, c'est beaucoup plus restreint. Alors après, le seul avantage de ce Synthro, et comme dans tous les Synthro quoi, c'est son environnement, c'est sa ville quoi. La ville qui est inspirée de plein d'autres villes des États-Unis, Las Vegas, tout ça. Mais ce n'est pas Las Vegas, c'est une ville inventée, en fait complètement inventée quoi. C'est une ville inspirée mais inventée à la sauce Synthro quoi. Mais hormis ça, bah on se fait chier, c'est toujours pareil. Le gameplay est archi classique et archi répétitif. On fait toujours la même chose. Le gameplay, il n'y a pas de renouvellement de gameplay, il n'y a pas de nouveauté dans le gameplay, c'est toujours. En fait, ce Synthro là, c'est le dernier Synthro qui est sorti, c'est le retour en arrière quoi. C'est en gros là, on renouvelle pas la licence, on ne crée pas de nouveautés, on prend le même gameplay qu'il y a. Des années, enfin depuis les derniers Synthro. En fait, il est complètement vague et niveau gameplay complètement à la ramasse. Et puis pareil, au niveau des bagnoles, bah c'est pareil quoi, c'est rien de bien original.
Ça reste des bagnoles, reste des bagnoles. En fait, on est vraiment terre à terre, quoi. On est vraiment. On retourne en gros dans les premiers intros où c'était. Voilà, l'histoire de gang, territoire et tout, etc. Il y a plus côté loufoque, il y a plus côté délire, quoi. Et c'est très dommage parce que ça aurait pu être un jeu qui était à la base potentiellement en concurrence avec GTA et pas totalement en concurrence puisque ça n'a strictement rien à voir avec GTA, quoi, en gros. Et d'ailleurs, heureusement que, de toute façon, même si j'aurais pas vu de test, j'aurais pas vu, comment dire, j'aurais pas, même si je l'aurais pas eu gratuit, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je baille un peu, si j'avais pas eu ce jeu gratuit, bah même gratuit, je voulais pas l'avoir en fait, je voulais pas le télécharger à la base, mais c'était juste pour voir si, je sais pas comment dire, mais je voulais essayer voir quand même parce que je me suis dit c'est gratuit, je vais essayer, je vais quand même essayer de voir si c'est un bon jeu quand même malgré l'énorme déception, quoi. Mais non, même gratuit, ce jeu est décevant, quoi. Ce jeu n'a pas de. On dirige, en plus, on dirige la moitié des ados. Oh, tiens, regardez, ça bug là. Déjà, au niveau, voilà, au niveau gameplay, c'est pareil, c'est. Tu vises, tu tires. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de. Tu sprintes, tu cours. Bon, tu peux toujours faire autant le bordel, mais ça n'a strictement rien à voir en fait. Voilà, tu butes quelques flics. Bon, c'est comme un GTA classique, quoi. Et non, mais au niveau du gameplay, on vise, avec le joystick et puis on tire, quoi. Donc ça reste, voilà, on vise et on reste. C'est ultra simple et ultra répétitif en fait. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme dans le, dans les actions, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de, il n'y a pas d'interaction. Alors l'interaction avec le décor, je vous dis pas, c'est, on est un cran en arrière par rapport aux intros d'avant. Ah si, quand même, bon, quelques interactions avec le décor, mais bon, encore une fois, ça reste basique. Bah vraiment, non, mais le côté politiquement incorrect, le côté vraiment, mais délire, délire au plus gros point, ce qui faisait le charme de, comme je disais, ce qui faisait le charme de Saint-Tro, c'est le charme de Saint-Tropez, tout simplement. C'était son côté débile, loufoque et tout. Et là, il y a tout le côté délire est parti, quoi. Et c'est con parce que c'était les seuls à faire ça, en fait. C'était le seul GTA-like à faire ça, en fait. Et ils ont le côté. Et là. Là, c'est un Saint-Tropez sans âme, quoi, tout simplement. Et regardez-moi les bâtiments. Regardez, c'est très joli. Il y a des bâtiments jolis. Mais on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est très regrettable. Hein. Ça manque. On ne peut pas rentrer dans tous les bâtiments. C'est dommage. Bon, c'est normal. Même dans les GTA, on ne pouvait pas tout visiter. On ne pouvait pas visiter tous les bâtiments. Mais là, quand on voit des gros bâtiments comme ça et qu'on peut même pas visiter des gros bâtiments comme ça, bah c'est regrettable, quoi. Donc on s'emmerde, mais on s'emmerde. Et franchement, je regrette les synthros que j'avais quand j'avais ma Xbox 360. Je l'ai toujours, ma Xbox 360. Si je veux, je peux toujours la rebrancher et me refaire
des synthros qu'un classique que j'ai aimé. Hein. Mais je les ai tous faits. Enfin, les synchro-tro. Ça y est, je sais même plus se dire. Le synthro classique, je les ai faits. Hein. Donc je vais pas refaire les mêmes jeux, ça m'intéresse pas de refaire les mêmes jeux. J'ai fait le tour du sujet. Ah, petite tente. Puis pareil, les PNJ inintéressants. Bon, si, un petit bon. Ah, il y a un bateau. Est-ce qu'on peut rentrer dans le bateau? Calico Queen. Ouais, plus ou moins, ouais. Ouais, voilà, il y a des endroits, on peut pas, on peut pas. Il y a des murs. Bah, pendant un très courte, un très ter, un, pendant une très courte période, les synthro, c'était meilleur, c'est devenu meilleur que GTA en matière de fun, de plaisir à jouer. Non, oui, voilà, c'est ça, les synthro, l'avantage des synthro par rapport à un GTA classique, c'était son fun, c'était son plaisir de jouer, c'était très fun à jouer, c'était très plaisant à jouer les synthro d'avant, surtout le 3 et le 4, quoi. Mais je dirais surtout mais le summum pour moi c'est le 3. Parce que là ils sont arrivés à un stade où ils ont complètement abandonné le côté sérieux. Le côté sérieux des deux premiers synthros. Ils ont délaissé le côté sérieux et ils ont tout fait, voilà. Tout fait dans le côté clownesque du jeu, quoi. Voilà, on pouvait diriger des vaisseaux, on pouvait débloquer des vaisseaux, des chars en forme de pixels par exemple, tu vois des trucs des complètement délire quoi, que tu vois pas dans la vraie vie quoi. Donc c'est vraiment le côté pas sérieux du tout quoi qui était super dans les intros. Et que de passer de ça à ça. Bah franchement bah ils ont tiré bah ils ont cassé tout le fun quoi. Tout le fun a disparu de ce jeu. Si emblématique et pourtant c'était tellement bien cette intro avant. Et ce renouvel complètement raté, je crois que malheureusement ils en feront pas d'autres intros. Hein. Malheureusement, parce que je pense que ça a été aussi un échec critique et un échec commercial. Et encore là, bon, ça va. Là, je joue sur PS4. Je joue sur PS4, ça reste graphiquement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est pas de toute façon, les synthros n'ont jamais été forts dans ce. Niveau graphisme, ça a jamais été leur point fort. Par contre, ça a eu le mérite d'être coloré, soigné et un petit peu. En fait, c'est ce côté graphiquement, c'est ce côté un peu carte, pas cartoonesque, je sais pas comment dire, mais là, par exemple, là, je cours, là, je cours et là, bizarrement, je cours vite, je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'adrénaline, je sais pas. Et puis l'émission, ça reste classique. C'est classique, il n'y a rien d'intéressant. Non, déjà, dans le niveau scénar, il n'y a rien d'intéressant. C'est nul. C'est pas. On s'ennuie scénaristiquement, on s'emmerde. C'est des bandes de jeunes qui décident de créer des groupes de des gangs.
des ados, et on dirige des ados, à moitié des ados, quoi. À la limite de la ma... des gens, à la limite de la majorité, quoi. Enfin bref, après ça, après ça, ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas, ça va, mais... Bref. Je mets, il n'y a pas de challenge. Ah oui, puis il n'y a pas de challenge non plus. Après, graphiquement, non, bah, c'est du propre. Hein. C'est... De toute façon, je demande pas mieux. Graphiquement, je demande pas mieux d'un synthro. Hein. Des graphismes colorés. Pas réaliste. Hein. C'est pas un jeu réaliste, hein, bien sûr. C'est un jeu un peu style, un peu à la style BD, un petit peu. C'est un peu ce côté, c'est ce côté là qui me plaît. Non, puis l'environnement, bon, bah en dehors de la ville, y a rien, quoi. C'est désert, c'est le désert en fait. C'est le Texas. Bon, des fois, moi, il m'arrive de me projeter. Il appelle, hop. Je fais d'abord. Vous voyez ce bâtiment-là? Cette tour-là en forme de botte. En forme de botte. Bah, ça, c'est ça. Niveau architecture, après il y a deux trois bonnes idées quand même. Il y a deux trois bonnes idées hein, d'architecture pour la ville imaginaire de Saint-Tro. Merde. Et ben ce bâtiment en forme de botte, je le trouve sympa. Je trouve qu'il y a de l'imagination, il y a de la créativité dans ce jeu-là. On voit qu'ils se sont fait un peu plaisir au niveau des bâtis, de l'architecture, des bâtiments. De certains designs de certains bâtiments mais c'est pareil on peut pas rentrer on ne rentre pas il n'y a rien à l'intérieur tu te mets il faudrait que je vous montre un truc si j'ai le temps je sais pas il faudrait que je me mette faudrait que je pique un bateau tiens. Bah non, mais tout le reste c'est du GTA, c'est du plagiat GTA. Ah putain, merde. C'est du GTA, mais en moins bien quoi. Trafiquant de drogue. Sauver des otages, enfin je sais pas, des trucs, des missions qu'on connaît, du vu et revu quoi. C'est du déjà vu, c'est du tout est du déjà vu en fait. Et c'est vraiment dommage. Franchement, je regrette qu'ils n'ont pas gardé ce côté politiquement incorrect. S'ils auraient au moins eu l'intelligence de garder ce politiquement, ce côté pas sérieux du tout et ce côté what the fuck politiquement incorrect et tout. Franchement, on aurait pardonné tous ces défauts. Mais non, ils ont retiré tout le côté fun, le côté délire quoi, tout simplement, le côté complètement déjoncté. Est-ce que je peux... Ah, bon, heureusement. Oh, et heureusement, on peut conduire. Ah, attends, comment ça se conduit ça? Hélicoptère. Diriger.
terre pour voler. Moi, je m'en fous hein, qui est des beaux graphismes ou pas. Moi, je veux du moment que je m'amuse, que je m'ennuie pas quand je joue un jeu. Je veux que le jeu soit amusant à jouer. Là, il n'y a rien d'amusant. Là, pour l'instant, depuis tout à l'heure, je tourne en rond, mais hop, voilà, je me suis mis au sommet de la tour là, en forme de pote, mais c'est tout. Je ne peux pas rentrer, je ne rentre pas, je ne peux pas rentrer là. Il n'y a pas d'intérieur en fait. Ça manque de carré, ça manque de charme, ça manque de beauté. Ah, je sais pas comment dire. Je dis n'importe quoi. Regardez, voilà, je me mets devant une porte et hop, je me retrouve en bas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ça sert à rien d'autre en fait. Tu montes, tu descends. En fait, tu montes, tu téléportes en fait. Tu téléportes. Parce que tu ne te peux pas rentrer. Il n'y a rien à, y a rien à, y a rien à voir à l'intérieur. C'est vide. Juste des allers-retours en haut, en bas. C'est tout. Tu téléportes en haut et en bas. Ah là là, c'est triste. Vraiment très triste. C'est ennuyeux et triste. Ah. Bon, par contre, j'ai une combinaison de vol. Ça, c'est pas mal, ça. Par contre, je sais pas comment. Ça. Bon, ça se fait tout seul. Oh là, oh là, oh là. Je vais tomber, je vais. Voilà. Oh, je suis mort. Non, mais vous voyez bien le problème. Comme je disais, il suffit pas de beaux graphismes, tout ça, pour s'amuser. Moi, j'ai juste. Quand je joue un jeu, je veux m'amuser, je veux prendre du plaisir à jouer. Là, je prends aucun plaisir à jouer, c'est le néant total. Mais j'ai gardé ce jeu-là gratuit parce que je voulais au moins faire une vidéo là-dessus. Et voilà, et je sors pas de l'hôpital, je me retrouve directement dans mon lieu, dans ma base, quoi. Je me retrouve directement dans la maison mère. Voilà. C'est génial, hein. Après le bon, après le style. Comme je disais tout à l'heure, le style, c'est le style un peu, c'est le style mexicain. C'est sympa, hein. Après, c'est sympa. Moi, je tire deux avantages pour ce jeu quand même. Le style mexicain, ça va. C'est propre. Graphiquement, c'est propre. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bah, que c'est pas une ville qui a été recopiée. Ça n'a pas été une ville qui a été recopiée. Ça a été inspiré, mais ça n'a pas été copié. C'est une ville complètement inventée. C'est pas comme les GTA qui s'inspirent et qui copient des endroits de Los Angeles, par exemple. En fait, tout le côté fun, inventif, délire, politiquement incorrect, n'importe quoi, du second degré, enfin voilà, tout ce côté-là a disparu quoi. Et ça devient un GTA-like sans saveur. Après, bon,
qu'est-ce qui est classique mais efficace, c'est la bande son. C'est la bande son qui peut être pas mal aussi. Bah, les musiques, les radios qu'on écoute, bah, les radios, les fameuses radios qu'on écoute dans les voitures par exemple. Je sais plus ce qu'il y a. Après, ça reste anecdotique, quoi. Bah, puis bon, bah, comme je disais, les missions et les missions secondaires, bah, ça reste, encore une fois, c'est comme du GTA. Braquage, braquage, tuer des gangs, trafic de drogue, et tout le tralala, quoi. Défendre son territoire. Tuer des mecs. Ça reste très classique. Ils ont repris quelques aspects des anciens synthros, mais c'est tout. Mais dans l'esprit, je retrouve pas l'esprit synthro en fait. Non, mais bref, c'est un titre malheureusement oubliable. Franchement, j'aurais bien aimé qu'il y ait vraiment une suite de synthro, mais une bonne suite, ou je sais pas moi, ils auraient pu penser à envoyer synthro dans l'espace par exemple. Je sais pas, je dis une connerie, ça aurait pu être dans. Je sais pas, vous imaginez un GTA qui un petit peu. Mais toujours dans le côté. Dans le côté. What the fuck, quoi, le côté. Dans le côté délirant. Style, et dans le même style BD, quoi. Explorer une histoire cachée. Oui, après, il faut. C'est comme tout open. Alors, et ça, c'est le syndrome de tout open world. De tous les open world. C'est tout ce qui est défi, mission secondaire à rallonge, quoi. C'est du réchauffé. Tout le reste, c'est du réchauffé, réchauffé, réchauffé. Tout ça pour élargir la durée de vie quoi. Mais c'est de l'élargissement de durée de vie pour rien quoi. Et ça, c'est tout le problème des open world actuels quoi. C'est les quêtes annexes et les quêtes annexes qui se ressemblent tous quoi. Donc il n'y a pas que Saint-Tro et tous les Assassin's Creed, il y a tous les open, pratiquement tous les 80% des open world, c'est toujours les mêmes formules, les mêmes quêtes, tu tournes en rond pour agrandir artificiellement la durée de vie quoi. Bah, quelques petits trucs, voilà, sympa, bon, comme voler, planer, mais c'est tout, quoi, enfin, il n'y a rien de, sinon, il n'y a rien d'intéressant, quoi, rien à se mettre sur la dent, quoi, franchement, autant se remettre à GTA V, hein. Ou dans les anciens synthros, hein. Mais comme j'ai fait le tour du sujet, ça me donne pas envie d'y retourner, quoi, c'est con. J'aurais bien aimé une nouvelle aventure, synthro, dans un autre univers, voilà. Dans un autre univers, dans un univers encore plus disjoncté qu'avant. Après les extraterrestres, ben je sais pas. L'espace, il y avait l'espace, le retour des, je sais pas, d'une connerie, des monstres, des nouveaux ennemis. Et je me rappelle qu'il y avait un mode où,
Je me rappelle, il y avait dans Saint-Tro 3, il y avait une mission où vous étiez dans un autre pot et vous tuez, et on ne sait pas pourquoi, mais vous tuez du zombie. Vous tuez du zonzon. Dans une mission dans Saint-Tro 4, dans Saint-Tro 3, pardon, y avait même des zombies. Voilà, il y avait même des zombies. Oh, la physique, toi. Après, des fois, t'as des interactions avec le décor de temps en temps. Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement, sinon on se ferait chier. On se ferait encore plus chier. Regarde-moi ça, les PNJ. Ah bah l'IA est catastrophique, hein. Intelligence artificielle, des PNJ. Et puis en parlant de nos personnages principaux, pareil, ils ont aucun charisme. C'est du caricature. Enfin, c'est. À la base, Saint-Tro, c'est de la caricature à lui tout seul, hein. C'est une blague à lui tout seul, hein. C'est du second degré à lui tout seul, hein. Les Saint-Tro, hein. Mais là, on part dans du cliché, mais absolu, quoi. On part dans du cliché, les personnages sans âme, sans charisme et ultra cliché, voilà, stéréotypé. Voilà, on va dans la campagne, c'est qu'un désert en fait. On va à la campagne, mais c'est qu'un désert. Il n'y a rien à faire. C'est l'ennui. Alors après, bon, évidemment, pour aller au menu, il faut regarder sur son smartphone. Voilà, Wanted, par exemple, je vais dans Wanted. Voilà. Problème, ces connards n'arrêtent pas de faire peur à mes clients. Et en plus, niveau dialogue, les dialogues sont ridicules. Et ils sont ridiculement vulgaires, ça n'a aucun sens non plus. Bon, vous me direz, Saint-Tro même n'a pas de sens, n'a aucun sens. Mais là, c'est parce que c'est inintéressant, c'est juste. Parler, c'est juste insulter, en fait, tout simplement. Ça n'a pas d'importance particulière, quoi. Récompense, voilà, avec différents. T'as différentes. T'es un tueur à gages. Tu lui envoies des messages codés. Mais y a rien d'original, quoi, tout simplement. Alors bon, après au fur et à mesure, on peut avoir de nouvelles tenues. Bon, ça encore, voilà, la personnalisation, elle est assez complète, mais un peu moins variée, moins. Moins sexy, quoi, si je peux dire ça comme ça. C'est moins sexy qu'avant, quoi. Parce que là, on est sur du basique de chez basique. Après, il y a du tatouage, il y a du tout ça. Après, niveau personnalisation, j'ai rien à dire, hein. Ils ont à peu près repris un petit peu ce qui existait déjà avant. Mais encore une fois, en moins bien, quoi. En moins fun. Moi, je me suis éclaté pendant Saint-Tro 3, la personnalisation du personnage. Changer de sexe, se foutre à poil, en string, voilà. Ah, s'il y a quand même 2-3 endroits, on peut rentrer à l'intérieur. Heureusement. Comme ce salon. Ce salon. Je sais pas si on peut jouer. Non. Et pareil,
manque d'interaction avec le décor. D'interaction avec le décor. Encore une fois, il y a des, voilà, des bornes d'arcade, mais on peut pas jouer. Ça, c'est encore une fois regrettable. Sympa les cactus sur l'épave. Sur la voiture abandonnée. Non, ça manque de, il manque de tout en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, mes amis, c'était juste une petite vidéo vite fait pour Saint-Tro, le dernier Saint-Tro qui est sorti, que je vous déconseille. Non, c'est dommage, ça n'a rien à voir avec les Saint-Tro d'avant. On est vraiment à des années-lumière. Là, c'est du retour en arrière. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont c'est un retour en arrière vers les deux premiers Saint-Tro, quoi. Et malheureusement, j'ai craint fort qu'on ne verra plus ce genre de licence où justement on pouvait se permettre de tout. Être dans le politiquement incorrect dans le jeu vidéo, quoi, c'est. En gros, Saint-Tro, c'était l'anti-GT, c'était un petit peu l'anti-GTA. L'anti-GTA, quoi, c'était un petit peu. Ça allait à l'encontre du côté sérieux de GTA, là. Ils reviennent à quelque chose de plus sérieux et c'est pas, et c'est moins marrant. C'est moins amusant, quoi. Donc du coup, on s'emmerde. Bon bah sur ce, mes amis, je vous laisse. Hein. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Si ça vous dit une petite section jeu comme ça de temps en temps, en ASMR ou en soft spoken, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Ouais, c'est bientôt les vacances d'avril en fait. Mais vacances de Pâques, bientôt. Non, mais je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et bonne journée. Et la paix. Prenez bien soin de vous et de vos proches et la paix sur vous. Allez, ciao, ciao, salut.